Comme... T'as vu, pas trop. Ouais. Puis une fois on était arrivé Joey. Ça, bien, vas-y, vas-y, prends ton temps. Te laisse pas lécher, non. Tu la mets assise, c'est pas qui les fait. Ah. J'étais. C'est cool. Bon, alors. Y'a les vaches. Je venais de prendre mes fonctions de chef de service et il était venu me voir avec ce projet dans la poche, avec une expérience qu'il avait en tant qu'infirmier où il était venu avec un chien. Il avait remarqué qu'effectivement, d'avoir un chien dans un service de psychiatrie, ça permettait aux patients de s'en sentir mieux, d'être plus calme. On va garder les autres. Vous avez mangé? Ouais. J'avais constaté dans mes interventions, quand j'allais chez les familles pour voir un chien qui avait des problèmes, que ces problèmes, le mal-être du chien, retentissait sur toute la famille, sur tout l'environnement. Et j'avais constaté que lorsque j'agissais sur ce chien qu'il allait mieux, tout le monde allait mieux. J'en ai déduit que si je mettais un chien qui était bien dans ses poils, qui était bien dans sa tête, un chien équilibré, ce chien-là je le mettais avec des gens qui n'allaient pas bien, il était fort possible, fort probable que ces gens-là aillent mieux. Oui, ma coco. T'as vu, pas trop. Je vais aller au téléphone. Je te laisse pas lécher, non. Tu la mets assise, c'est pas qui rit. Ah. J'étais. C'est cool. Bon, alors. Y'a les vaches.